Gilles, super, on a gagné. C'est bon. On a gagné les élections. Oui. Bien sûr. 56 à 44. 56, alors. Ouais, ouais. On est content ou pas? Ah, très content, très satisfait. Pour les Viennoises et les Viennois d'ailleurs. Il faut attendre un petit moment. Je suis un peu derrière, mais j'ai bien remonté. Hein. Ah, bien, j'ai bien remonté. Hein. Non, mais là, c'est des amis. La sécurité. Non, c'est bien. Le V de la victoire. C'est comme une compétition de judo. Je suis aux anges. Allez Bernard, ton impression. Là, tu as payé un short maintenant. Alors, on l'a pas mérité cette partie là. J'aurais dû parier. Ah ouais, mais hier t'en menais pas large. Personne me croyait. Non, moi je disais 5 points d'écart minimum. Ah ouais, je crois là. Ouais, mais les gens ont réagi là. D'accord. Oui. André, allez, dis-moi autant qu'il était battu plein de fois. J'attends 30 ans. 30 ans. Hein, André, 30 ans de défaite. Regardez-le, un gamin ce soir. Ah oui, il a rajeuni, il a 30 ans. Hein, un gamin ce soir. Ben. Non, ça, alors ça c'est mérité. T'es pas allé chercher ce mairie, André? Bah oui. T'es pas allé chercher. Depuis 95, dis. Merci à Vienne. On arrive, on est devant. Merci aux Viennoises et aux Viennois. Merci à Vienne. Merci à Vienne. Merci à Vienne. Merci à Vienne. Bravo, Jacques. Carnaval. Thank you.
compris pour les 44% qui n'ont pas voté pour la liste. Écoutez, entreprendre et réussir. Bravo! Toutes celles et ceux qui, un degré à un autre, ont fait un travail, c'est-à-dire ceux qui étaient proches de la liste, et puis les Viennoises et les Viennois, qui ont contribué également à cette mobilisation. J'ai, si vous le permettez, un merci particulier pour les électeurs de la commune de Jardin qui m'ont permis de venir ici. Voilà, je resterai comme d'habitude. Je serai à votre disposition et à votre service. Bravo! Un maire proche et au quotidien. Oh, les Jardinois, arrête-toi. Je vais embrasser des Jardinois. Nicole. Alors, Henriette Amouric, en 95, avait pris un coup de poing dans le dos. Et en principe, le maire ne doit annoncer les responsabilités qu'après l'élection. C'est, au niveau du Conseil général, c'est comme ça. Alors, est-ce qu'au niveau de la ville, c'est ainsi, les communes? Les responsabilités, comment? Les adjoints. Non, ben là, vous allez inviter, je vous invite à procéder à l'élection du premier adjoint, en charge de... Alors c'est en charge de, théoriquement les textes prévoient que c'est annoncé par le maire après l'élection. Alors est-ce que tu me confirmes ou pas? Ou est-ce qu'il y en a parmi vous qui peut me le confirmer? En 95, vous l'affirmez. Avez annoncé les... Oui, mais nous on est moins retorqueux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas annuler forcément, eux ils vont faire annuler tout ce qu'ils pourront. Alors est-ce qu'on ne peut pas avoir une information là par un juriste ou tout de suite? Non. On a un code électoral là. Code électoral, oui. Non, c'est le code des communes. Code des collectivités. Bon, une question, alors si tu veux bien donner les registres, s'il te plaît. Une question à poser au secrétaire général. Oui, mais pour nous, on est trop de Voilà mon égérie. Est-ce qu'elle fait son discours à quel moment?
Pour ma part, je propose la candidature de M. Jean Cormier, et s'il y a d'autres candidats, à l'appel de votre nom, vous inscrivez le nom de votre choix et vous le déposez dans l'urne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avant de procéder à l'élection des adjoints, je souhaite, si vous le permettez, prononcer quelques mots. Je voudrais tout d'abord m'adresser à mes colistiers, ici présents, et les remercier non seulement de m'avoir élu maire, mais aussi d'avoir été pendant 3 mois, plus de 3 mois même, à mes côtés durant cette campagne. Ensemble, nous avons travaillé au quotidien. Ensemble, nous avons subi parfois des attaques. Ensemble, nous avons été élus. Ensemble, nous serons présents pour les Linoises et les Linois. Notre seule ambition est Vienne. Je voudrais ensuite remercier tous ceux et celles présents ici aujourd'hui ou non, et ils sont très nombreux, qui ont voté pour la liste Écouter, Entreprendre et Réussir Vienne, que j'ai eu l'honneur et la joie de conduire. Vous avez ainsi montré ce que vous vouliez pour Vienne, l'alternance et le changement. Je voudrais maintenant m'adresser à tous les habitants de Vienne, à tous les habitants de Vienne. Ainsi que je l'ai toujours dit, je souhaite être le maire de tous les Viennois, disponible et présent pour les écouter. Je l'ai d'ailleurs déjà démontré cette semaine en retournant chaque jour dans les quartiers. La mairie sera une mairie ouverte sur la ville. Les adjoints et moi-même nous recevrons chaque fois que vous le désirerez. Chacun pourra compter sur mon soutien sans exception. Encore une fois, je serai le maire de tous les résidents de cette ville. C'est ainsi que je conçois cette élection. Renouer le dialogue entre les élus et les citoyens. Les élections passées, l'heure est au rassemblement. Puisque je viens de dire que je suis le maire de tous les Viennois, je m'adresse en particulier aux élus de la liste des forces de gauche. Vous saurez, si vous le souhaitez, et je le souhaite, associé à la marche de la ville. Et j'espère que le conseiller général du canton de Vienne-Nord, Gérard Lully, que je félicite de son élection dimanche dernier, continuera à apporter son soutien au dossier de la ville, comme je l'ai fait en son temps, en position inverse. Je vous invite, pour conclure, maintenant,
tous à travailler avec nous pour relever ce défi, écouter, entreprendre et réussir bien. Nous allons construire l'avenir de notre ville dans un esprit d'ouverture, dans un esprit de tolérance et dans le respect de chacun. Avant de procéder à l'élection des adjoints, si vous le permettez, je vous propose une minute de silence à la mémoire de Jean Cléfier, adjoint au maire décédé dernièrement. Je vous remercie et que vive notre bonne ville de Vienne, Vienne antique, au passé si prestigieux. Je vous remercie.